Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Ouais, je reste dans le noir, j'ai pas envie de mettre voilà la lumière. Oui, je suis très très occupée en ce moment et toute cette semaine et vraisemblablement la semaine prochaine en tout cas enfin en fin de semaine ça ira à peu près et en fin de semaine prochaine, mais je suis vraiment occupée. Donc enfin c'est bien hein, en même temps je me plains pas voilà. Donc, pourquoi je suis là ce matin? Et je viens, comment dire, mettre au clair deux, trois trucs. Hein, comme ça va mettre d'accord tout le monde. Alors déjà, je me suis encore fait signaler une vidéo. Oui, la vidéo où je montrais ma tête, hein, parce que je suis trop belle. Donc, il y a des jaloux. Bon, il faudra que je vous montre ma tête. Actuel et vous verrez que bon, je suis bien quoi. Donc c'est peut-être pas la peine que je monte ma tête en fait. Donc je me suis fait signaler cette vidéo par quelqu'un de bien intentionné, hein, par des gens, voilà. Parce que paraît-il, j'utiliserais de la musique en droit d'auteur, ce qui est forcément faux. Bon, j'ai pas l'air quand même, mais j'ai une tête, hein. Donc YouTube m'a dit bah écoutez changez rien ou alors si vous voulez être tranquille faites autrement bon bah je l'ai mis à gauche on va dire à gauche mais vous savez je l'ai la vidéo hein, donc peu importe mais c'est pour vous dire que vraiment sur YouTube il y a une ambiance délétère je fais un coucou à Cathy Neve qui se fait signaler ses vidéos deux vidéos déjà en 2 jours. Bon, il y en a marre, hein. Bah ouais, il y en a marre. Et moi, je me suis fait signaler le mois dernier, avant que je le mette, que bon, j'en fasse mon affaire d'une façon qui m'arrange moi. Je me suis fait signaler 2 pages de mon vieux blog, hein, qui était mort, qui tournait plus depuis 2020, je crois, ou de, enfin, disons que fin 2019, il était déjà plan plan, d'accord? Bon, bah, c'est pas grave, il est conservé, etc. Parce que je me suis fait signaler pour virus, hein, 2 pages, à 2 heures d'intervalle. Bon, j'ai compris que j'avais une attaque sur mon blog, hein, comme il pouvait plus signaler mes vidéos, n'est-ce pas? Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, donc ils sont allés signaler 2 pages de blog. Pff, ça sert à rien, hein, mon blog, il va bien, merci. Il réapparaîtra quand les hyènes folles seront calmées, c'est tout. Il y a un moment, bon, il y en a marre, quoi. Voilà. Alors, je suis pas une victime, je veux dire, je me prends pas pour la victime du siècle, hein. Cathy Neve, qui est super sympa et qui reste vraiment dans son coin avec ses abonnés, s'est fait signaler ses chaînes, hein, ce qui est quand même un comble, hein. Ah oui. Bon, peu importe, je suis pas là pour ça. Coucou à tous ceux qui se font signaler leur chaîne par une équipe bienveillante. Voilà. Donc, je suis allée faire un petit tour sur l'INAD. Et alors là, mais c'est la grosse crise de rigolade, en fait, quoi. Alors, l'INAD, ils ont décidé que. C'est pour ça que j'ai la tablette dans le noir, là, un peu plus loin. Ils ont décidé de. Ouais, parce qu'après, voilà. Faut, voilà. Bref. Je suis occupée. comment dire, l'INAD, ils vont faire passer. Alors déjà, ils ont changé leur charte. Ils ont baissé le prix, hein, parce que je crois, mais j'en suis pas sûre. Hein, donc, enfin bref, c'est 200 euros. Je pense que l'assurance juridique doit être payable à part. D'accord? Et donc, ils ont changé leur charte et maintenant, on est obligé. Pour faire partie de cette association, de passer un examen médical. J'espère, Nina, que c'est les psychiatres. Hein. Bon, alors, allez voir la charte de l'INAD, elle est complètement transformée. Avec examen médical obligatoire pour les membres, 200 euros pour en faire partie. Et je ne sais pas s'il y a une assurance juridique, je m'en fous de toute façon. Moi, je ne suis pas professionnelle, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et de toute façon, même si j'étais professionnelle, parce que
Quand tu t'inscris à l'INAD, que tu payes ta cotisation, 200 euros par an, donc, c'est ce qui est les tarifs affichés aujourd'hui, là, tu es automatiquement sur leur répertoire de voyants. Donc, est-ce qu'ils ont passé un diplôme? Est-ce qu'ils ont un doctorat en voyance? Non. Je veux dire, il s'agit que tu t'inscrives et hop, tu es un voyant répertorié par l'INAD. Donc, c'est quoi leur truc? Alors, l'INAD veut envoyer 200 inspecteurs pour savoir si les gens sont sérieux. Non, mais attends, je rêve. Ils vont inspecter quoi, les mecs? Tes jeux de cartes, s'il en manque pas une, est-ce que ta boule de cristal n'est pas fêlée? Enfin, tu vois le genre, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce que tes runes sont propres? Je sais pas, moi. Je pose la question. Ils vont inspecter quoi? Si t'as fait le ménage, mais j'en sais rien. J'en sais rien. C'est un délire. Donc, c'est un délire. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Deux points. Parce qu'au niveau pénal, la voyance, les arts divinatoires en général, l'astrologie, etc., ça rentre dans la case escroquerie. Ok? Vendre des bains qui guérissent, des pierres miraculeuses, etc., c'est escroquerie en France. En France, hein. Bon. Alors là, on se heurte à ce qui dépend de la foi, de la culture, etc. Donc, il y a un certain laxisme. Mais ceci dit, si on se plaint, si par exemple, on nous a vendu un bain ou une voyance, hein, d'ailleurs, complètement fausse, qu'on a dépensé plus de 100 euros, ou qu'on a acheté un bain, j'en sais rien, moi, 60 euros et qui devait nous guérir de notre arthrose, on va au tribunal pénal et c'est de l'escroquerie. Hein. On s'en sort. Je veux dire, la personne qui fait ça ne s'en sortira pas. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que si on vous a pris 70 euros pour une pierre miraculeuse ou un bain qui guérit ou je ne sais quoi, bon, vous serez obligé de rembourser et de payer 700 euros de frais de justice, etc. Ça va pas aller loin. Maintenant, si on vous a escroqué plus de 10 000 euros, ça va aller loin quand même, hein. Voilà. Mais par principe, la voyance, je dis bien en France, et j'ai lu hein, les attendus des cours d'appel, hein, j'arrive pas comme ça, hein, moi jamais, hein, je vous raconte jamais de conneries. Donc la voyance, non, ça n'existe pas, d'accord, pour les cours de justice françaises. Grâce à Dieu, hein. Merci mon Dieu, il ne manquerait plus que ça, hein, non mais n'importe quoi. Donc, je rappelle que ma chaîne de voyance est notée divertissement. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. On ne peut pas empêcher les gens comme moi, je me mets en premier, hein, de dire, voilà, moi j'y crois, je crois que il m'est arrivé ça et ça. Bon, ça, c'est un choix personnel. C'est comme d'aller à l'église ou voilà, on ne peut pas discuter ça. Par contre, en faire commerce, c'est interdit. Hein? C'est interdit. Et ceux qui abusent, je dis c'est interdit parce que ceux qui sont dans les abus le payent en pénal. Bien, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, je suis allé voir le code de la consommation. Alors, le code de la consommation, il est très clair. Hein. D'ailleurs, il est à portée de tout le monde. Hein. Dès que tu vends quelque chose, et la loi va s'appliquer en 2023, hein, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois une SARL, que tu sois ci ou ça, peu importe, dès que tu vas vendre quelque chose, un bien ou un service, j'ai bien dit un bien ou un service. C'est-à-dire, ça va des pierres qui guérissent en passant par les bains miraculeux, tous les objets qui touchent de près ou de loin à de l'ésotérisme. Tu vas devoir remplir toutes les cases, les CGU, les retours de produits, le remboursement, etc. Tu vas remplir toutes les cases ayant trait au code de la consommation. Crois-moi, ça va pas être marrant. Tu vas devoir facturer tous tes services et tous tes produits. Alors évidemment, les produits, c'est déjà le cas, hein, mais les produits sur les sites de vente en ligne,
les pierres qui guérissent, les jeux miraculeux, les bains, machin, tout, absolument tout en vente, en e-commerce, quelle que soit la plateforme, ou si c'est toi qui le fais directement sur ton site perso, tu vas devoir le facturer. Alors, c'est déjà le cas pour les produits, on est d'accord. S'il n'y a pas de facture, c'est directement le service des fraudes et du fisc. Tu dois avoir un registre du commerce automatiquement noté sur ta facture qui est automatiquement envoyé par voie numérique au client. Ok, c'est pas interdit hein, de vendre des pierres qui guérissent. C'est pas interdit du tout. Par contre, ni les bains miraculeux, hein. Après, c'est pas interdit. Maintenant, dans la mesure où tu vends n'importe qui, hein, vous, moi, ma voisine, on va vendre soit des voyances, soit des produits ésotériques, entre guillemets, hein. Donc, il y a le code de la consommation, tous les articles du code de la consommation qui devront apparaître sur les sites en ligne. Dès que tu vas vendre trois runes, hein, il va falloir que tu expliques à ton client que non seulement il sera facturé avec un numéro de RC, de registre de commerce, mais en plus qu'il y aura une politique de retour de l'objet s'il ne plaît pas, d'accord? Une politique de retour automatique sur le site internet de la personne qui vend. Il y aura automatiquement, obligatoirement, les avis des consommateurs. Et avec interdiction, bien évidemment, d'enlever les avis négatifs, de ne faire apparaître que les avis positifs. Les avis négatifs devront aussi apparaître. Attendez, je mets en pause 30 secondes. Oui, je suis revenue. C'est la fin de la fête du slip, hein. D'accord? Par exemple, ceux qui s'amusent à se mettre auto-entrepreneurs pour faire des voyances, d'accord? Je les préviens que ça va être tendu, hein. Parce que forcément, pour faire des voyances, il faudra un site internet, ok? Ou un appel sur un site, sur une plateforme internet, quelle qu'elle soit. Un blog, YouTube, etc. Et là doivent apparaître toutes les mentions et les politiques de remboursement de tout bien et tout service, en plus d'une facturation, bien évidemment. On ne pourra plus ne pas facturer un service. Ça se met en place, c'est une loi de août, de ce mois d'août-là. C'est une loi qui vient d'apparaître. Et qui va être déployé complètement en 2023. Mais là, elle est en cours, hein, la loi. Donc méfiez-vous, hein. Bon, en ce qui concerne les revenus YouTube, enfin, c'est quoi la discussion, quoi? Genre, où elle est la discussion, à part pour les gros sites. Qui effectivement gagnent par an une certaine somme qu'ils doivent automatiquement déclarer aux impôts, mais enfin, qui ne déclare pas aux impôts, je veux dire, qui ne le sait pas, quoi? S'il y a quelque chose que tout le monde sait, à partir du moment où tu fais ta première déclaration d'impôt, et à moins que tu sois complètement débile mental, c'est de déclarer tes revenus, enfin, quand même, genre, ça tombe tellement sous le sens. Donc ça, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on s'en fout total. Tu te mets micro-entrepreneur et hop, tu vas, quoi. Auto-entrepreneur, je sais pas quoi. Peu importe, tu te déclares et alors, quoi. Voilà. Mais ça, c'est tellement évident. Je me demande pourquoi on en parle des revenus YouTube. À moins d'être débile, mais vraiment débile, hein, parce que quand les impôts, ce que je tiens à vous dire là, avec cette vidéo aussi, hein, c'est que si vous ne respectez pas les nouvelles règles de vente en ligne, hein, si en tant que client, vous voyez que quelqu'un ne respecte pas, qu'il n'y a pas les politiques de retour, qu'il n'y a pas de facture,
mais pour les voyances aussi, hein, qu'il n'y a pas de facture, et oui, biens et services, et ben, quand vous dénoncez au service des fraudes, là, ce n'est pas des petites amendes, d'accord? Ce n'est même pas du 45 000 euros, comme ce qu'on demande à Amandine Roy, hein, de la part de Madame Macron et de sa famille. Ah non, 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 là, c'est 75 000 euros. D'accord? Donc là, et c'est là où l'INAD est vraiment, c'est pas sérieux, quoi. Comment, qu'est-ce que l'INAD demande à ses adhérents? Ben déjà, il faudrait un numéro de tout, être inscrit au registre du commerce, avoir des factures dématérialisées par client, et attention, c'est pas fini. Pour toutes les factures présentées, il faudra obligatoirement avoir un moyen de paiement qui garantisse au client l'entier secret de son identité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir payer un service de banque automatiquement, obligatoirement, obligatoirement. Alors, effectivement, je pense beaucoup à Vini, je pense beaucoup à Sabine. Les partages de sable qui ont des boutiques, mais je sais qu'elles ont des logiciels de facturation, etc. Je sais qu'en tant que commerçante, elles reçoivent les nouvelles directives. Par contre, tous ceux qui ont pris des numéros de ciré pour faire des voyances, bah écoutez, mettez-vous à jour, hein, par rapport à vos clients, c'est-à-dire quel contrat, pour quel prix, facture et moyen de paiement qui respectent le secret intégral de l'identité du client. Alors, tous ceux qui contreviennent, forcément, c'est impôts. Dénoncer, enfin, ils se mettent en danger d'être dénoncés aux impôts, comme en 39, hein. Toujours les mêmes. Ah ouais, méfiez-vous, hein, parce que vu l'ambiance qu'il y a, ils sont capables de tout. Donc, dénoncer aux impôts et aux fraudes. D'accord? Et puis, alors, pour les fraudes, hein, c'est très simple. Vous allez sur Internet, service des fraudes, et si vous voulez dénoncer quelqu'un, c'est en un clic. Hein. C'est en un clic. Et d'ailleurs, les services fiscaux de notre gouvernement le met en ligne. Hein. C'est-à-dire que quand tu es sur les lois, le code de la consommation, hop, tu as un petit encart du gouvernement qui te dit, bah, si tu veux dénoncer ton copain, tu peux y aller, c'est ici. La DGRC, voilà les nouvelles lois. Alors, je m'étonne quand même que l'INAD n'en parle pas. Alors, faut passer, d'après l'INAD, hein, faut passer un examen médical pour faire partie de son association. À la médecine du travail, j'aimerais bien savoir. Moi, je serais médecin de la médecine du travail, je vous le jure, hein. Et je verrais arriver quelqu'un qui me dirait, moi, je suis voyant. Et je veux faire des tirages sur mon site en ligne. Hein. Putain, mais jamais je lui donne, jamais je lui donne un certificat. Je l'envoie direct, bah, je lui dis tranquillement, hein, bah, écoutez, allez voir mon collègue, le docteur Truc, psychiatre de son état, et puis il nous fera un petit compte-rendu, puis repassez me voir. Hein. Ah non, parce que tirer les cartes, regarder dans une boule de cristal, etc. C'est en France une escroquerie. Et ça, l'INA ne vous le dit pas. Alors, pourquoi l'INA ne le dit pas? Pourquoi moi, je me mets auto-entrepreneur là, tout de suite, pour cesser de l'être dans 3 mois, d'accord?
Je vais sur le site de l'INAD. Bah oui, je peux le faire, hein. Rien ne me l'interdit. Je paye 200 euros, avec ou sans, je ne sais pas, protection juridique, et j'apparais dans les voyants préférés de l'INAD. Non, mais attends. Alors maintenant, il faut que je passe une visite médicale pour faire partie des voyants préférés de l'INAD par la médecine du travail. Non, mais attends, de quel travail tu parles? De quel travail? C'est une profession qui est non réglementée. À partir de là, bah, c'est une profession bah, juste qui n'existe pas. Tu comprends? Ça n'existe pas. Les fausses publicités, je suis le meilleur, voilà tout ce que j'ai réussi à faire, etc. C'est puni par la loi. Ben oui, c'est fausse publicité. Ça n'existe pas. Est-ce que vous entendez bien ce que je vous dis? Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas juste parce que moi j'y crois. Non, mais c'est ta foi. Ça n'a rien à voir. C'est ta croyance. C'est peut-être même ta culture, mais ça n'a rien du tout à voir avec les lois françaises. Alors, bah, ça va être quand même une débandade totale. Je vois très bien ce qui va se passer, hein. Je voulais. Alors, vous allez sur Amazon, hein, les professionnels, et vous regardez comment c'est foutu, tout ce qui a trait à la défense du consommateur, les retours produits, etc. Et grosso modo, c'est ce que l'État est en train de mettre en place pour tous les sites de vente en ligne. Hein. Date de fin de la rigolade, là, 2023, c'est-à-dire dans 6 mois. Hein. Et dans 6 mois, tu as intérêt à être en règle, y compris si tu es auto-entrepreneur. Hein. Il faut que sur ton site apparaisse tout ce que je viens de te dire. Et franchement, croyez-moi, c'est pas de la petite bière. Hein. Fin de la blague. Amazon, j'ai vérifié. Amazon ne monnaie pas de voyance. D'accord? Par contre, le gros site Etsy met en avant des voyances, c'est-à-dire qu'il y a plein de nanas qui proposent des voyances, 65 euros. Alors, Etsy n'est pas responsable de ses vendeurs. Hein. Etsy n'est responsable de rien, en fait. Etsy te met en relation avec un vendeur, c'est tout. Toi, tu es acheteur, l'autre, il est vendeur. Par contre, ton vendeur te doit une facture. Hein. Ah, mais immédiatement. Et une politique de retour, et ceci, et cela, et son CGE à jour, et tout bordel. Hein. Et quel que soit son statut au niveau fiscal, hein. Quel que soit son statut. Ça, c'est les lois de la défense du consommateur qui arrivent en ligne, hein, en France. Alors, Etsy interdit maintenant aux sorcières qui vendaient des sorts. Alors, je ne savais pas, mais j'ai appris parce que j'apprends beaucoup de choses. Hein. Grâce à vous, hein, les hyènes folles. Ben ouais, je me renseigne. Et donc, Etsy a interdit aux sorcières de leur site, quoi. Tu peux pas dire, bah tiens, pour 60 balles, je vais jeter un sort à ton mec pour qu'il t'aime toute ta vie. Non, c'est fini. Mais ça a eu lieu, hein, ça a existé. Et si maintenant, je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer à garder les cartomanciennes en ligne. Faut que les cartomanciennes, elles prouvent, peut-être, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine et je ne crois pas d'ailleurs. Qu'elles ont un numéro de registre du commerce, que voilà, et qu'elles ont un site internet qu'on peut aller consulter, on peut laisser un avis. Les avis vont être obligatoires, avec interdiction de les faire sauter, bien évidemment, hein, quand ils te plaisent pas. Donc, vous prenez le code de la consommation, Pierre, vous allez vérifier quoi. C'est pas triste, hein. Donc l'État, il n'est pas con l'État, il sait que c'est une escroquerie. Ça, tout ce qui est voyance et produits dérivés de la voyance, bon donc qui servent à rien, hein, je vais vous la faire courte, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, l'État n'en voyait pas
un fifrelin. D'accord? Parce que sauf à se faire dénoncer, et puis je sais que ça se fait beaucoup en ce moment, on dénonce. Voilà. On sait pourquoi ça a tourné comme ça en 39, hein. Ah bah oui. Il n'y a qu'à voir YouTube, voyance, c'est bon, quoi. On a compris pourquoi. Bonjour Sylvette, la France est devenue une gare de triage. Hein. Voilà. Donc, mes pensées, Sylvette, hein, les plus affectueuses. Donc, être si, c'est fini, quoi. Ça va être interdit. Sauf à ce qu'être si aille vérifier si tous ces vendeurs sont en règle avec la loi. Je vous dis, vous prenez le site Amazon, les CGU, etc., tout, 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 vous faites un copier-coller, puis surtout, vous y tenez, hein. Parce que je vous assure que vu l'ambiance, les délations, ça va y aller. Bon, maintenant, tu voulais pas facturer, tu voulais faire ça ni vu ni connu, avec des petits revenus, etc. C'est impossible. Hein. C'est impossible. Moi, je te le dis, hein, parce que vu l'ambiance, quoi, lui, il fait des voyances à 50 euros, mais de quoi, de caisse, patati patata, est-ce qu'il facture, est-ce qu'il a. Voilà. Voilà où nous en sommes. Et donc, l'État, il a voulu récupérer ce pognon. Bah écoutez, il faut faire confiance à Bercy. Hein. Je vous dis, quand on a un problème dans la vie, un problème, je veux dire, politique, sociétal, hein, et qu'on s'intéresse et qu'on veut comprendre, on cherche l'argent. D'accord? Et en France, l'argent, il est à Bercy. Ça n'aura échappé à personne. Hein. Et Bercy, qui n'est pas dingue, ça doit être les moins dingues, hein, de nos administrations. Alors vraiment pas dingue, hein, Bercy. Il s'est dit, bon, on n'arrive pas à choper le pognon correctement, maintenant on va le choper correctement. Et faites bien attention à vous, hein. Bien évidemment, je ne donnerai pas mes sources. ouais, ça serait trop mignon. Maintenant, si vous voulez attaquer quelqu'un en justice, vous l'attaquez pour escroquerie. Vous l'attaquez pour défaut de registre du commerce et défaut de site transparent quant à la loi pour la consommation. Évidemment, rattaché au ministre de l'économie et des finances. Hein, faut pas. Voilà. C'est la défense du consommateur. Moi, je vous assure, hein, ça va être une boucherie. Hein. Et je suis triste, en fait. Je rigole parce que, à cause des hyènes là, qui font sauter toutes les chaînes sans se rendre compte de ce qu'elles font, en fait. Et puis l'INAD, non mais l'INAD, quand est-ce que tu t'occupes du montant des dites voyances, entre guillemets? Jamais tu mets ton nez là-dedans. Alors tu veux qu'on passe tous, enfin pas moi puisque je ne suis pas professionnel, enfin bon bref, que tous mes collègues sur YouTube passent pour s'inscrire chez toi, comment dire, une visite médicale par la médecine du travail. Attention, excusez du peu. Hein. Même ton médecin généraliste, il suffit pas. Hein. Médecine du travail. Je rêve. Alors que c'est un travail, ce travail, c'est une escroquerie. Et ça, les jugements en cour d'appel, les attendus, machin, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque. Et je les ai lus avant de venir vous voir. C'est pour ça que je vous le dis, c'est une escroquerie. Pour la loi française. Mais vous allez arrêter d'être pénible quand? Je veux dire, faudrait mettre un tarif de base aux voyances, et notamment aux voyances dématérialisées. D'accord? Je sais pas, au maximum 60 euros quand il y a beaucoup de demandes avec une explication pour les clients en plus, hein. Il faut tout expliquer aux clients. Sur un site en ligne. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel.
pour les voyantes. Il faut une facturation, il faut un commissaire au compte pour certains de mes collègues. Et je rigole pas. Et pour les autres, il faut au moins un logiciel qui coûte en général cher de gestion et de facturation. Ou un cabinet extérieur qui se charge de cette facturation. C'est énorme. C'est énorme. Bon, effectivement, bon, y aura moyen d'éviter tout ça. Hein. Je dis ça aux collègues entre nous, hein, sur YouTube, que ça reste entre nous. Bien sûr, il y a des moyens d'échapper à tout ça, mais je vais pas les dire là, en vidéo. Ok ? Je vais les garder pour moi, pour l'instant. Voilà. Mais évidemment, il y a des moyens pour échapper à tout ça. Mais pas à ceux qui vendent des produits. Hein. C'est pour que ceux qui pourront échapper à ça, et encore, hein, il faut qu'ils aient que des clients soft, hein, parce que le premier client qui se plaint, tu l'as dans l'os. Hein. Ah oui. Et là, faut pas rêver. Hein. Ah oui. Il n'y a aucun magistrat qui va te donner raison si tu viens pleurer que tu n'as pas été payé de ta voyance. Il n'en a rien à foutre, hein. Ça n'existe pas pour lui. Et je vous répète, hein, c'est grâce à Dieu. Donc il va falloir mettre des tarifs pour échapper à toutes les poursuites. J'aimerais bien que l'INAD se remue les fesses par rapport aux tarifs. Mais bon. Voilà, parce que plus le tarif est élevé, plus l'escroquerie est avérée. Hein, bah oui, hein, c'est très simple. Hein, voilà. C'est tout. Et j'ai pas d'idée hein, de tarif. Hein. Mais je pense que passer 60 euros, ça aura du mal à passer. Hein. Voilà, écoutez les Yen Folles, vous avez du boulot. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bah ouais, puis si vous ne mettez pas d'équerre, bah les autres aussi, ils peuvent faire ce que vous faites, vous, très bien, c'est-à-dire dénoncer au fisc, dénoncer à l'URSSAF, dénoncer à ci, à ça. Passez votre vie à ça, vous, à dénoncer. Bah vous voyez, finalement, vous avez été entendu par Bercy, qu'on a ras-le-bol, de passer à côté des impôts généré par ce marché de 4 milliards d'euros. En général, au Schwarz, au black, d'accord ? Au noir. Eh ben, c'est fini. Donc, c'est ça que vous avez gagné, tant mieux. Hein. Mais maintenant, mettez-vous propre. Hein. Et bonne chance. Hein. Alors, tous mes collègues gentils, qui sont en train de courir derrière un RC, arrêtez, hein, arrêtez. Arrêtez, vous allez y laisser votre santé. Avec ce code de la consommation qui vient de changer, là, tout de suite, en août 2022, vous allez y laisser votre peau. Vous n'avez pas que ça à faire. Faites autrement. D'accord ? Et je vais pas l'expliquer là, c'est pas possible, hein, vous le comprenez. Mais faites autrement. Arrêtez. Arrêtez tout de suite, arrêtez tout. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, hein, parce que vous allez vous retrouver dans des trucs. Je suis pas la dernière des imbéciles, hein, croyez-moi. Mais quand je vois ce qu'il faut faire sur un site en ligne, de vente en ligne, écoutez, c'est même pas la peine. Et c'est les biens et les services. Hein, les biens et les services. Or, une voyance est un service. Alors, pourquoi, quand est-ce que la voyance n'est pas une escroquerie? Je vais vous répondre, hein, les Yen Folles. Quand c'est sur YouTube classé divertissement. Oh, ben merde alors, Wendy, c'est pas une arnaque. Moi, vous voyez, j'arnaque personne. Moi, je suis sur divertissement sur YouTube. Quant à mes impôts, ils ne regardent que moi. Parce que bientôt, il va falloir donner
le nom et prénom de ses pères et mères. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Avoir une chaîne YouTube de voyance classée divertissement, c'est complètement dans la loi parce que c'est divertissement. Parce que c'est pour rigoler, quoi. Voilà. Après qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah écoutez, on s'en fout un petit peu, hein, d'accord? Puisqu'elle n'existe pas, puisqu'à la base c'est une escroquerie. Mesdames les hyènes folles, allez donc vous calmer, allez faire un tour, allez bien respirer, puis quand vous rentrez, vous mettez à jour, hein. Mais dardard, hein. Ah bah oui, dardard. Parce que nous aussi, on peut aller vérifier sur vos sites si vous êtes en règle. Mais quand je dis en règle, c'est vraiment en règle, hein. Il y a les politiques de retour, il y a ben quel contrat pour quelle voyance, vous voyez. C'est-à-dire que nous aussi, on va pouvoir aller vérifier si votre site il est en adéquation avec les lois de protection du consommateur. Hein? Voilà. Et puis si ça ne nous plaît pas, bah écoutez, je sais pas. Bah, on n'est pas obligé de vous acheter quoi que ce soit. Bon allez, je vous fais plein de bisous, mes amis. Ouais, je suis désolée, pas de voyance. Je vais essayer de mettre des images drôles. Quelle heure est-il maintenant? Il est 6h02. Et j'ai affaire. Mais vraiment, hein, je suis désolée. Je viendrai faire des vidéos, je vais mettre des blagues et je viendrai faire des vidéos, mais là vraiment, bah ça arrive, hein. Parfois on est très occupé, ça arrive. Pour des histoires privées, bien sûr. Bon, je vous fais plein de bisous. Je sais pas, il est temps de demander des comptes à l'INA, à l'INAD. Il est vraiment temps. Hein. Leur dire qu'il, je sais pas, il y a des choses essentielles à mettre à jour avant d'aller passer des analyses d'urine pour savoir si on est un bon ou un mauvais voyant, ce que l'INAD ne sait toujours pas. Puisque je vous dis, demain, je me mets auto-entrepreneur voyante ou vendeuse de bains qui guérissent. Et l'INAD m'accepte immédiatement. J'aurais pas, voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc l'INAD, c'est pas sérieux. Hein. Vous êtes pas sérieux. Vous pouvez me répondre, mais si vous aidez pas vos adhérents à faire ce qu'ils doivent, je sais pas. Est-ce que vous passez toutes les voyants, est-ce que vous passez tous les voyants à la moulinette? Non, je pense pas. Hein? Voilà. Mais si vous le faites, c'est bien. Mais dans ce cas-là, faut le dire. Parce que je ne l'ai pas vu, ça. Faut noter ses voyants. Hein? Il ne s'agit pas de faire un annuaire de la voyance. Ça n'intéresse personne. Hein? Il y en a 3 millions de voyants en France. On n'est pas en manque. Hein? Bref, je comprends pas trop votre démarche, Linade. À aucun point de vue. Aucun. Et puis défendez les clients quand même. Et les clients, vous ne les défendez pas. Alors je tiens à vous dire quand même que pour la loi française, hein, pour ceux que ça intéresse, mais ça intéresse tout le monde, puisque tout le monde est contribuable. Même les plus pauvres payent les taxes. Donc tout le monde est contribuable. Pour la loi, il n'y a pas de bonne ou de mauvais voyant. Quand on dit qu'un voyant est mauvais, c'est du dénigrement. Et quand on dit qu'une voyante est merveilleuse, dans le meilleur des cas, c'est de l'aveuglement. Dans le pire des cas, ça fait partie d'une publicité mensongère et c'est puni par la loi. Je vous fais plein de bisous et je reviens dès que possible. Je ne peux pas vous dire au revoir, mes amis. On est dans le noir. Gros bisous, mes amis.